Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc de retour sur Assassin's Creed Valhalla. Donc, toujours pour la suite du chapitre à Lincoln. Tu as l'air bien songeur. Eivor, je suis conscient de tout ce que tu as fait pour moi. Je te serai éternellement redevable. Tu me devras un serment de sang quand nous en aurons fini. De sang? Grand Dieu. Attends ici mon retour. Ton dieu peut-il parler à travers toi, Erephrit? Il peut me dire où est ton Elderman? Notre seigneur n'est pas un chien dressé à parler sur commande, bonté divine. Quand as-tu vu l'Elderman pour la dernière fois? Laisse-nous. Ce n'est pas à toi de poser de telles questions. Le père de Hunwald s'est fait soigner ici récemment. Quelqu'un l'a peut-être vu partir. Bonne nuit. L'autre côté doit être barricadé. Bon bah. Allez, on y va, on infiltre, on y va, on fait dans le singe. Voilà, ça, la porte, elle sera tranquille, je pourrais me barrer. Toi, sais-tu où est ton Elderman? Je peux te dire une ou deux choses, mais pas ici, à la vue de tous. Suis-moi. Ok. Je te suis. On va voir un truc là-bas qui m'intéresse. Hop, on va récolter. Attends, on va te parler. Bon, ça suffit là. Dis-moi ce que tu sais. Oh, sur notre Elderman, une infinité de choses. Je sais ce qu'il aime manger, quand on change son linge, et qu'il déteste qu'on lui pose des sangsues sur le corps. C'est intéressant. Mais où est-il passé? Ah, où? J'en ai aucune idée. C'est ce que tu voulais me demander? Oublions. Bah. Et toi? C'est toi la responsable des sœurs? Oui. Et je ne peux pas dire que te voir armé de pied en cap soit un spectacle rassurant. C'est un hospice ici, pas une salle de garde. Comme si cela ne suffisait pas de devoir travailler sous le regard de ces crétins en armure. Je ne te ferai rien, ni à ceux que tu sois. Je cherche simplement ton Elderman. Je risquerai ma tête en te parlant. Et si on la tranche, ces blessés et ces malades me suivront dans la tombe. Et ton Elderman serait d'accord. Alors plus tôt je le trouverai, plus tôt ces gardes quitteront ton hospice. Ce serait une bonne chose. Notre seigneur se portait mal. Et son état s'aggravait, malgré nos efforts. Alors, en dépit de mes instructions, des gardes l'ont emmené, et je les ai entendus parler de bain. Mais il n'y a pas de tel lieu à Lincoln. Alors, je me suis dit qu'il parlait des ruines au sud d'ici, près des murailles est. Des ruines? Au sud? Je vais aller voir, merci. Je prie pour que tu le retrouves. Il a besoin d'être soigné.
Ok, et eh ben on va aller aux ruines. C'est pas malin de laisser ces nobles de Mercy se servir de nos tunnels, si tu veux mon avis. Que voulais-tu qu'on fasse? Au moins, ils vont nous laisser tranquilles. Ils ont tué l'un des leurs. Qu'est-ce qui les empêcherait de nous briser aussi le crâne? Parce qu'ils ont peur de nous, d'accord? Ils savent qu'on n'est pas des idiots. Rappelle-toi, Dieu punit ceux qui veulent du mal. Je t'écoute. Du mal à qui? Hein? Pardon, j'étais ailleurs. Quoi? Seigneur Jésus, on ne peut pas dire que tu n'as été touché par la grâce. Allez, crève, gros sac. Au départ, bonne nuit. Par ici. Il fait noir là-dedans. Hop, lumière. Ces tunnels sont profonds. L'Elderman aurait-il fui vers une cachette en dessous de Lincoln? Sans complet. Hmm.
où il se cache. Bonne nuit. Toujours plus de Mercians sur nos routes. Pas moyen de pisser d'ici à Bolingbrock sans qu'on vienne te réclamer quelque chose. Tout ce monde, ça ne facilite pas la contrebande. La contrebande n'est jamais facile. Mais je préfère ça à payer un tribut. Plus question de céder devant la couronne de Mercy. Faisons le tour et analysons où sont les cibles. Et reprenons le plein de munitions. Bonne nuit. Pendant ce temps-là, je me cache dans l'ombre et dans la nuit, et je ne fais aucun bruit pour pouvoir tuer mon ennemi. Sans que mon ennemi me voie. Et ma flèche te terrassa la tête. Allez, viens. Allez, toi aussi, viens mourir. Allez, on est plus nombreux. Fais rien. Et nous pillons le petit trésor.
Ah, là-bas, il y a une clé. Bah, ici il y a un petit trésor. Qu'une fois pas oublié. Parce que ça donne quand même des trucs sympas. Voilà. Il y en a un autre un peu plus bas. Eh bien. Hop, hop, hop. Par là-bas, il y a un petit coffre. Allez. Pillons le coffre, ça fait plaisir. On récupère un peu ce qui traîne. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai souvent vu des bandits frapper et fuir immédiatement. Cette scène me rappelle une telle méthode. Confirmons le meurtre. Voilà, ça c'est fait, du fric. Et hop, c'est par là-bas. Hop, on reprend l'échelle. Alors faut bien repérer le chemin, vous repérez les deux statues de femmes qui sont là, avec la voûte d'entrée, prendre le chemin qui vous emmènera normalement à l'objectif qu'il vous faut. Ah, du sang. Il s'est battu ici. Mais pourquoi? Un affrontement entre des nobles et des bandits qui n'a pas tourné à l'avantage des brigands. Utile si je trouve la porte qui va avec. Ah.
retrouver la clé, passer par le petit truc. Escalader. Hop, hop. Faut toujours que je fouille là. Fouille ce qu'il s'est passé. J'ai trouvé une petite porte, je l'ai donc ouverte. Mais je dois un peu chercher quelques indices. Une cape de noble, ornée d'un signe. On dirait que l'Elderman est passé par ici. Petite vision d'aigle pour vous aider. C'est bien par la porte que j'ai trouvé. J'ouvre la porte, je me dirige ici. Et une petite lettre. Un noble saxon a payé des bandits pour pouvoir emprunter ces tunnels et rejoindre le château de Bolingbrock. Des nobles de Mercy ont passé un marché avec des bandits. Ils les ont payés pour pouvoir se faufiler dans ces grottes. Ensuite, les bandits ont tendu une embuscade aux nobles. Mais cela s'est mal fini pour les brigands. Et dans la lutte, la cape de l'Elderman a été déchirée. Il s'en est sorti et a fui vers l'est. Le château de Bolingbrock, c'est ma meilleure piste. Regardons la carte. Il faut que je me case jusque là. Donc... pour y aller en sortant du tunnel. Allez. Montre-moi ces terres, mon ami. Inspecte les alentours, Sinine. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Je ne cherche pas. Mais non, je t'ai pas raté.
rate jamais ma cible. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Jusque dans ce château. Et bon, on va y aller. On va en tuer quelques-uns sur la route. Ils n'avaient pas le temps d'appeler leurs copains. On va passer par la porte d'entrée. Hein. Passe pas la grande porte. Hein. Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est bien protégé. Je me demande vraiment à quoi on peut bien servir. Allez, à l'attaque. Ouf, PD. Péché Goliath là. Ça fait mal ça Goliath hein. C'est toi qui vas aller bouffer les asticots. Et hop, encore un petit nouveau pouvoir, ça fait plaisir. On ouvre la porte. Et on continue. Monseigneur,